Non, pardon. Monsieur Roseren. Merci, Madame la Présidente. Le projet de loi, à son article 10, vise à renforcer la coopération au sein des GHT. Dans cette optique, il rend obligatoire le transfert de compétences de la gestion des ressources humaines à l'établissement support de groupement. Bien qu'en théorie, ce transfert rejoint l'objectif poursuivi, il risque de poser des problèmes d'un point de vue pratique. En effet, donner une telle compétence à l'établissement support peut créer des tensions dans l'établissement support avec les autres établissements. Ces derniers souhaitent en effet procéder eux-mêmes au recrutement, connaissant mieux leurs équipes et leurs besoins. Cet amendement propose donc de rendre ce transfert facultatif. Cette proposition s'inscrit dans la lignée du gouvernement qui souhaite laisser plus de marge de manœuvre au territoire afin que ceux-ci s'organisent librement. Merci.